vu Alex la semaine dernière. J'ai parlé à son agent hier soir et je m'étais dit que ce serait bien de décider avant, mais j'ai pas tous les éléments et je suis pas en mesure de le faire. Je le regrette, mais j'avais pas non plus obligation absolue. C'était pas, je voulais pas me forcer à avoir une date. Moi, je veux qu'Alex, en cas de reconduction, soit en situation d'être dans les 18 plus que régulièrement. C'est ce que je lui ai dit. Et je veux pas d'un Alex Bonnet en N3 ou c'est pas intéressant. Et il faut prendre la bonne décision. C'est cette réflexion-là que je mène. Si on continue, il faut que ce soit un Alex Bonnet en situation de jouer. Encore une fois, et je le lui ai dit, cette année, il s'est maintenu dans les 18. Il s'entraîne bien tous les jours. Il n'a pas dû rater 3 séances cette année. Mais on ne fait pas signer les joueurs pour être bons à l'entraînement. On les fait signer pour être candidats pour jouer. Et c'est le cas qui me fait le plus réfléchir, pour être honnête. C'est-à-dire, j'ai vu les autres, ceux qui étaient en fin de contrat. Mais je revendique le droit à la réflexion jusqu'au bout. Voilà. Ce n'est pas du tout me défausser. Encore une fois, je n'ai pas manqué de respect à Alex ou à son agent. J'ai échangé avec eux. J'ai le droit d'y réfléchir. Et encore une fois, ce n'est pas. C'est important de prendre la bonne décision. Voilà. Yoni Gomis, il va reprendre la saison avec nous. Il n'a pas pu y aller là, en sélection, mais c'est un joueur intéressant. Il va reprendre l'entraînement le 24 juin avec nous. J'ai rencontré son oncle, je crois, qui est son représentant. Je souhaite le voir aussi la semaine prochaine pour qu'on fasse le point, mais il va reprendre le 24 avec nous. Il fera partie des quatre qui reprendront. Et ça concernera Yoni Gomis, Steven Goura, Sahel Enseke, mais il était déjà avec nous. Et le quatrième, c'est Samoura, qui reprendra également avec nous. J'ai parlé avec lui cette semaine et c'est pareil, je ne m'interdis pas de réfléchir. Je l'ai interrogé sur sa situation. Je l'avais fait il y a 2 ou 3 mois. Il m'avait fait une réponse qui m'avait un peu déstabilisé, mais je l'ai revu cette semaine. Je ne m'interdis pas de parler avec lui, notamment la semaine prochaine. Mais il m'a expliqué sa situation. J'ai eu plus d'éléments cette semaine. Et ça me donne la possibilité de réfléchir un petit peu différemment. Et je dis pourquoi pas. Bon, il y a quand même des joueurs qui vont partir. Il y a Pasqui qui va partir. Eman va partir. Yacine, Kechta, on prolonge pas. Donc ça fait quand même. Bon, on peut supposer que Tierno Balde, malheureusement, ce sera son dernier match ici aussi. Ça fait un certain nombre de joueurs qui vont partir. Ablin, je pense aussi, malheureusement. Nous, je pense que la semaine dernière, on a joué le jeu, on a eu un bon comportement, même s'il y a eu des erreurs de la défense. Je pense qu'on a fait un match très, très honorable et il faut recommencer demain, faire un bon match, un match solide, un match engagé. Parce que c'est notre devoir, c'est la dernière devant notre public et je pense qu'on se doit bien de faire ça.